Alors, salut tout le monde! Donc, le jeu aujourd'hui, Genshin Impact. C'est un jeu vraiment intéressant qu'on trouve toujours à se perdre complètement dans un monde immersif et vraiment grand, gigantesque en fait. Et on peut voir que le visuel est vraiment très, très, très style RPG japonais avec beaucoup d'action comparé aux anciens styles. Un peu comme dans The Zelda Breath of Wild. Donc, c'est ce qu'on m'a dit. Et en fait, je crois que c'est un jeu qui est, ce qui est vraiment intéressant avec ce jeu-là, c'est que oui, il est gratuit, mais en plus, on peut jouer sur multiplateforme. Donc, soit sur PC, PS4, ou bien téléphone intelligent, tablette, ça devrait être disponible. Et c'est compatible avec les commandes par manette, donc le controller play, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui fait que ce jeu-là se démarque des autres? Eh bien, on voit tout de suite que ce genre de jeu-là, ça se fait plus sur les consoles. Présentement sur le marché, mais on peut encore en voir, puis je trouve que c'est une bonne chose parce que on voit ce genre de jeu-là sur téléphone intelligent, ça fonctionne. Ça, sur PC, ce qui avait jamais vraiment eu d'impact sur le PC, mais là, on le voit, ça fonctionne très bien. C'est d'ailleurs, les images qu'on voit là, c'est présentement moi qui les joue sur mon PC. Donc, c'est gratuit. Que voulez-vous de plus? Donc, c'est sûr. Tout au long de l'aventure, on rencontre des personnages qu'on ajoute à notre quête. Donc, chaque personnage peut débloquer des parties différentes du monde, en fait, dans lequel on se trouve. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc, chaque personnage a son style de combat propre à lui. Chaque personnage a sa magie, sa technique. Et on peut l'utiliser dans plusieurs situations différentes. Donc, qu'est-ce que je pourrais rajouter? Eh bien, c'est un must. Moi, je me dis, si vous n'avez pas de jeu, mais que vous avez une console PS4, allez chercher ça sur Internet. Et sinon, vous ne savez pas à quoi jouer sur votre téléphone intelligent. Voyez si c'est compatible, si vous pouvez jouer. Donc, voilà. Je vous dis à très bientôt. Donc, pour la recherche de d'autres jeux pas chers. Parce que c'est ça le but.